On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de, enfin la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses. Et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Ces deux camps qui s'affrontent, moi je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais, et quelques-uns qui sont mes amis, m'ont avoué, en me sollicitant, qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça à cette... J'ai évidemment dit le contraire, j'ai dit, écoutez, moi je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but, hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser dans Bachar, c'était quoi le but, vous dire, la finalité? Mais dans le but très simple, mais le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit, on essaiera de s'entendre avec le ministre, premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que, quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres, et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat
et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Ayrault s'amène en disant « j'ai la preuve sur les armes chimiques » et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin, il dit « les services secrets m'ont dit que c'est Bachar », il n'y a aucun journaliste pour dire « oui, mais les preuves un peu sérieuses, s'il vous plaît ». Et donc, quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Ayrault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des cinq principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Vous me dites, oui, mais ça permettrait d'amener la démocratie en Syrie. Ça, je m'excuse, c'est une farce. Vous êtes en train de construire une démocratie en Syrie avec l'aide d'Israël qui massacre les Palestiniens et qui nie toute démocratie pour les Palestiniens, avec l'Arabie saoudite qui est un des régimes les plus féodaux et les plus répressifs de la planète, avec le Qatar dans lequel, si on écrit un poème pour la démocratie, on a prison à perpétuité. C'est de la comédie, l'idée que les États-Unis, Israël et leurs alliés voudraient, soi-disant, amener la démocratie là-bas. Vous avez fait semblant que c'était le problème du pétrole en Syrie. Ne faites pas la bête. Vous savez quand même très bien que la question, c'est le gaz en dessous de la Méditerranée, le gazoduc qui passe, qui est le projet du Qatar pour approvisionner l'Europe, et la Syrie est dans le chemin.